Mais par ici, ce qui m'intéresse, oui, parce qu'en fait, au temple, on va pas y aller directement. Ils nous font un chemin, c'est logique. Parce que le temple, c'est pas à côté. Là, c'est pas Noël encore, hein. On est au mois de décembre. Enfin, au mois de décembre, oui, je dis conneries, moi, c'est pas possible. Mois de novembre, bon, on est proche de Noël, c'est vrai. Faudrait que j'arrête de parler trop vite, parce qu'à force, je dis trop de conneries. Donc, une forêt de Celestia. Enfin, Celestia ou Celestia, je... Parce que ça ressemble à Tales of Eternia, Celestia. Et donc ici, forcément, comme c'est Noël, comme c'est tout beau, comme c'est tout kawaii, il y a des ennemis encore plus puissants. Alors, ah oui, il y a un autre marché ici. Putain, j'aurais pas dû faire mise en plate ici. Là, donc, il faut la clé du temple. Hey, oui, comme dans tout RPG, ce serait trop facile d'aller directement au temple. Donc, il faut qu'ils nous foutent. En plus, on peut passer. Une petite quête à la con. Voilà. Bon, alors en fait, je vais un peu continuer à avancer. Puisqu'en fait, je voudrais surtout combattre un peu. Donc ici, nous avons un point de sauvegarde. Mais je vais profiter pour montrer déjà les premiers mobs. Alors, ceci, ce qu'on a déjà croisé dans le dernier donjon. En version un peu mieux. Et ici, Jazz pourra gagner un peu de niveau. C'est ça qui est cool. Pourquoi j'ai approché moi? Ouais, je donne un coup sur deux, c'est génial. Bon, c'est pas grave. N'empêche, j'ai réussi à toucher le mob de derrière. Alors qu'il est aligné. Ça, c'est du talent, je vous dis. Oh là, c'est pris méchant de pêche. Bon, j'ai raté deux coups, mais ça suffit à le buter. Alors, un peu de soin sur Jazz, ce serait pas trop de mal. Parce qu'il s'est pris une bonne pêche dans sa tronche. Donc, puisque le faucon, puisqu'il a perdu plus de 5000. Et on part. Alors, ici. Un petit coffre qui est bien planqué. Et nous avons ici une ombrelle blanche. Alors cette ombrelle est assez spéciale, vous allez voir. Ombrelle ici. Ombrelle blanche. Où est-ce que c'était? Voilà. 5% d'expérience pour tous. Et ça, c'est évidemment si on n'a pas le cas dans l'équipe. En même temps, 5%, c'est. On aura mieux après. Donc nous continuons le petit chemin où il y a forcément des monstres, hein, cherchez pas, il y a des monstres dans tout RPG, hein. Parce que c'est vrai que dans Eternal Strata, il n'y a pas vraiment de map monde. Là, on va ici. Voilà. Bon. Alors, vas-y. Ok, va près de harpe. Et... Oh putain, les deux font à côté. Bon. Allez, Jazz, fais-toi plaisir. Bon, ok, tant pis. J'ai quand même réussi à toucher le mob de derrière. Et ça, c'est bon. Résistance, bon, je pense que c'est résistance au froid. Là, le bon coup de poing fera plaisir. Parce que Jazz, on a bien besoin. Voilà, là en fait je fais plus de coups avec la lame brûlante comme vous voyez. C'est pour ça que je l'ai faite. Voilà, bon là vous voyez que le level on l'aura d'ici quelques combats. Et qu'aussi que la musique du jeu est assez forte, enfin surtout au niveau des combats, parce que là vous avez une petite musique douce, et d'un coup quand je vais entrer en combat, elle est bien plus forte.
Surtout quand j'attaque. Mais là ça fait du bruit. Alors, où est l'ennemi? Ah bah ok, il y en a que là. Derrière. Donc, vers Jazz. Ah, ok. Je sais pas ce qui s'est fait comme effet. Mais à mon avis, ça... Plus positif. Ça, ça, là, je suis bon pour affronter les mobs d'ici. Et ça, c'est cool. Donc, on se retrouve avec nos petites musiques de Noël. Genre, c'est magique, c'est Noël. Mais tu vois, là, d'un coup, t'as un combat. Et là, t'es agressé. Et parce que c'est trop beau pour les enfants. Mais bon. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais mettre en... Quand je vous avais dit que le... La parade, c'est la contre-attaque si jamais. Bon, qu'un mob, bon, s'il veut, hein. Moi, je vous dis, franchement, un mob, c'est pour moi, c'est cadeau, hein. C'est comme le Père Noël. Mais enfin, ici, il n'y a que deux mobs qui peuvent se transformer. Mais bon, après, le temple d'à côté... Ça, c'est de la rigolade. Et ça permet au moins à Jazz d'avoir une occasion de récupérer des niveaux. Voilà. Là, tu peux pas te défendre, tu lui ferais un coup de chat dans ta tronche. C'est vrai que pour un archer, c'est difficile de briser la défense. Mais au moins, les dégâts sont là. Et il faut pas se prendre de coups de ça. Même s'il a de la passivité, il peut quand même bloquer. Tu vas bloquer même si la tête du mob rentre dans la tête de Harp, hein, c'est un truc. Il se jette pas lui. Ça. Par contre après le soin sera bien volontiers. Bon. Je crois qu'après il serait temps de quitter un peu pour pouvoir avoir une bonne occasion de gagner. Et là, c'est pas magnifique, 3 level up. Bon, ben, on a plus qu'à se les mater. Parce qu'il va falloir que je fasse du level avec Jazz. Bon. Moi, level up, je dis pas non. Bon, ici, on va... Partir d'ici, on va commencer à éviter. Ah oui, il y a ceci aussi. Bon, alors avant de venir comme ça, Warrior, genre baston d'Albuck, on va quand même un peu soigner. Parce que le baston d'Albuck, c'est bien sympa qu'on l'écoute, mais quand on veut le faire en vrai, ça donne autre chose. Hein. Alors, ceci, nouveau type de magicien. Des magiciens au stop color. Et ah oui, merde, j'ai cru que j'étais des harpes, mais en fait je ne suis pas, je suis Allegretto, parce qu'Allegretto est le plus rapide. Et donc je me suis fait couillonner un demi-tour. Par contre, avec harpe, là c'est réellement harpe, donc je prends la distance et je tire dans le vent. Oui, dans le vent. Et des magiciens attaquent au bâton, c'est totalement logique. Genre, avec, genre moi quand je joue à FF9 avec Vivi, je joue au bâton. C'est normal. Voilà, là t'es pris 12 000 dans ta gueule, c'est bien fait, t'avais qu'à m'attaquer avec ta magie, boulet.
étant un magicien, ça peut prendre vie. Donc là, vous voyez, des niveaux, bon, je pense que déjà, j'aurais pas trop le mal à le faire leveler, puisque 25 000 points d'XP comparé aux autres qui foutent le double. Donc, voilà l'avantage de faire XP ces personnages. Alors, nous avons un second livre de sorts. Donc en fait, ce livre de sorts va vous falloir avant de faire l'échange. Parce qu'en fait, on va devoir faire un échange. Bon, la logique dans le RPG voudrait qu'on aille voir le mec et après qu'il nous dise « Oh, mais il faudrait un livre de sorts qui est là-bas. » Donc en fait, c'est pour ça que je suis allé directement explorer. C'est pas ce que j'en aurais besoin. On gagne des orbis. Bon, étant donné que je dis pas ça, ça, je l'équiperai pas du tout. Bon. Alors ici, nous avons un cœur des ennemis. Bon, là, je vais voir s'il n'y a pas un coffre caché. Non, ok, il y en a pas. Bon, ils ont fait ce chemin pour rien, ils ont fait... Oh bah tiens, si on faisait ce chemin pour faire croire aux joueurs qu'il y aura un coffre, mais en fait, il n'y a pas de coffre, donc tu t'es senti un peu couillonné. Sauf que d'un coup, c'est moi qui est un peu couillonné, parce que c'est vous qui regardez ma vidéo, que vous voyez en train de me faire comme un gros con. Mais bon. Alors, où sont ces ennemis? Bah déjà, il y en a un là, je réfléchis pas, je l'attaque. Point. Allez, on va attaquer lui de préférence. Et là, je vis sur toi et j'arrive pas à te toucher quand même. Au revoir. Fallait pas attaquer lui. Bon, ça ok. Mais fallait pas l'attaquer du tout. Merde, si, beaucoup, hein, pour le temps de latence. Bon, on va soigner. Hop, derrière toi, je suis là, coucou. Oui, franchement, le mec, je plains, il a pas eu de bol. Donc on gagne des essences de chaussettes, parce que oui, dans Eternal Sonata, il y a des mecs qui s'amusent à brûler leurs chaussettes. Il a récupéré les essences. Ma foi, ça pourrait être... Je préfère une petite expérience, bon. En même temps, j'imagine, hein, les essences. Hein. Mais enfin... Alors ici... Ah, cinématique, j'avais oublié celle-là. あら今、あそこの扉に誰か入っていかなかった? Donc, le temple d'Aria. Mais le temple d'Aria, en fait, ce sera pas durant cette vidéo. Puisque, déjà, dedans, je vais aller sauvegarder. Et de deux, va falloir que je chope une clé. Enfin, la clé. Donc, ce qu'on va faire, je vais sauvegarder ici. Alors, tout pour ce qui va se passer à la prochaine vidéo. Donc, je retournerai à Forte hors vidéo. Dans le château, pour faire l'échange durant la clé. Après, je dois faire aussi du level up. Oui, enfin, je pense que je ferai du level up avant de retourner à Forte. Forte, putain, je suis bon, baroque. Putain... Comme quoi, hein, Castlevania Moon of Despair, hein, ça me calme pas trop, mais bon. Et après, je vais devoir faire la suite d'une quête. Donc, je sauvegarde. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos, puisque je sais pas en combien de vidéos je couperai, je pense 3 ou 4. Et c'est sur cette magnifique musique de Noël que je vais vous quitter et qu'on attend la fameuse Apocalypse de 2012. On va rigoler, les mecs. Hein. On va savoir qu'est-ce... On verra le FIFA 2013, ce sera le dernier. Mais enfin. Allez. Salut tout le monde.